Deux hommes, un bateau, un océan et un cap à franchir. Le Horn est désormais leur point de mire et leur objectif est de passer avant Verval Papel. Derrière, Neutrogena continue sa remontée sur Renault ZE, le podium de la Barcelona Road Race est en jeu. Depuis les 50e hurlants, les deux leaders regardent vers le Cap Horn qu'ils prévoient de franchir dans environ 72 heures. Moins de 600 milles séparent le 3e Renault du 7e Estrellada. Ils naviguent sous des vents de 19 à 23 nœuds, de bonnes conditions pour naviguer cap au sud-est dans le Pacifique. 300 milles derrière, Hugo Boss et Gaës continuent de se battre comme chien et chat avec une vitesse moindre. Mais des vents plus importants devraient arriver dans les prochaines heures. Désormais, toute la flotte se trouve dans le Pacifique, Weirwater ayant laissé l'Indien à l'eau. Le groupe de bateaux qui ferme la marche s'approche du détroit de Cook et de nouveau, on se demande qui s'arrêtera à Wellington. Pour Forum Maritime Catala, c'est clair, l'équipe à terre les y attend. On a 60 milles de la punta de l'entrée de l'estret, llavors quedaran unes 100 milles més fins a Wellington, més menys, i estarem demanant això, amb tot de vent, una senyera oberta, 6-7 milles, no? El primer serà revisar la puntualitzadora, de fet no sembla una cosa molt complicada. El libro de Moitessier, leerlo aquí en el sur es una auténtica pasada, porque este hombre, sin ningún conocimiento, sin tecnología, con su visión percibía la meteorología, cómo buscaba la energía que él percibía para poder saber las trayectorias y realmente sus comentarios son muy, muy, muy acertados y muy ajustados a lo que hay aquí. Realmente entiendes aún más a fondo este viaje increíble, ¿no? On peut parfaitement profiter des plaisirs de la vie à bord et pour les Espagnols, il y en a un qui prie. Familia de casa, bon fromage, kiwi.